Combien de murs une voiture peut-elle détruire d'affilée? C'est ce que nous allons voir maintenant. On trace, c'est parti. 1, 2, 3, je sais pas, il y en a combien, mais... Ouah, non, mais oui. Ok, à l'infini. Elle peut détruire des murs à l'infini. La nouvelle saison a rajouté plein de nouvelles choses et aujourd'hui, nous allons vérifier 25 mythes dans cette nouvelle saison. Pour ce, c'est parti. Peut-on enfin marcher sur les murs? C'est ce que nous allons voir maintenant. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Est-ce que sauter de très haut sur des rails nous fait mourir? C'est ce que nous allons voir maintenant. Eh non, ça ne nous fait pas mourir. C'est un mythe validé. Est-ce que tirer sur le lion au haut de la tour lui fait cracher du feu? C'est ce que nous allons voir maintenant. Eh non, ça a pas l'air. Mythe pas confirmé du tout. Quel véhicule va le plus vite entre une moto et une voiture? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti. Ok, 78 km/h, 79, peut-être 80, 80. Et ça sera 82 km/h pour la voiture. 96 km/h pour la moto en même temps avec son boost, c'est normal qu'elle gagne. C'est la moto qui l'emporte. Peut-on monter cette colline avec la moto futuriste? C'est ce que nous allons voir maintenant avec le boost. Oh, oh bah largement. Les bambous arrêtent-ils les dégâts de chute? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et le mythe est pas confirmé du tout. Peut-on rouler dans un 4x4 avec un poulet à l'arrière? C'est ce que nous allons voir maintenant. On balance le poulet dans le coffre. Non, il s'en va. Wesh, comment je le tiens? Wesh, c'est quoi ça? Allez, sois calme, reste dans le coffre. Oui, on peut. Regardez, je roule avec un poulet dans le coffre. Ah bah, Smith, il est complètement confirmé. Wesh, ah, il a réussi à sortir, non. Est-ce que la cloche fonctionne réellement? C'est ce que nous allons voir maintenant, c'est parti. Ouais, fonctionne. Ah, ça, c'est légendaire. Peut-on aller sur des rails avec la nouvelle moto? C'est ce que nous allons voir maintenant. Ah non, on peut pas aller sur des rails, dommage, dommage. Peut-on aller détruire le lion qui se trouve en haut du gratte-ciel? C'est parti, nous allons voir ça maintenant. Ah dommage, il y a du vent, donc on peut pas détruire ça. Peut-on soigner un véhicule avec un feu de camp? C'est ce que nous allons voir maintenant. Par contre, on voit pas sa vie. Ah si, on peut. Regardez, ses vies, elles sont en train de monter là. Regardez la vie, elle est en train de monter. Oh les gars, bah mythe confirmé. Par contre, est-ce qu'au contraire, on peut brûler un véhicule en le mettant sur feu? Je sais pas si ça le brûle, mais en tout cas, ça lui fait des dégâts. Alors ça brûle pas le véhicule, par contre, ça lui met full dégâts. Les gars, je suis en train de tout cramer là, qu'est-ce que je fais? Oh les gars! Oh la voiture, elle a explosé. Est-ce que ça va la soigner là? Attendez. Ah, ça soigne la voiture! Regardez, regardez! Bonjour mec! Peut-on détruire une box avec un katana? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pff, ah, on rentre pas dedans, dommage. Peut-on fermer du bambou avec le katana? C'est parti! Ah oh, non, non, ça donne pas de bois, dommage. On est chitons. Il est là. Oh, ça. Wesh, c'est une mitraillette le truc. What the fuck. Attends, passe. Wesh, allez hop, je la garde. Peut-on survivre à une chute en activant notre katana au dernier moment? C'est ce que nous allons voir maintenant. Ah ouais, ça fonctionne, nickel. Oh. Alors lui. Peut-on prendre plusieurs katanas en même temps dans l'inventaire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et ah non, on peut pas devenir Zoro. Ah, je suis deg. Bon bah les gars, vous pouvez reprendre vos katanas. Hein. Et brrrr. Et blam. Il est là. Louis, tu gères. Mort. Là, si on le tue, gros, on a 39 kills. Ok. Un HP, mort. Je me soigne. Mort. Ah. T'es ma gros, 39 kills. J'ai commencé, j'avais 145 points, j'en ai 915. Peut-on aller sur les rails en étant KO? C'est ce que nous allons voir maintenant, là, je me suis mis KO. Bon, on peut marcher dessus, par contre, on peut pas l'utiliser comme normalement, comme on est debout. C'est un mythe moitié validé, quoi. Combien de murs peut-on détruire avec un katana simultanément? C'est parti. Oh, un seul. Ah bah d'accord, bon, on va pas aller loin avec ça, hein. Je réessaye. Ok, bon, c'est éclaté, on peut détruire qu'un mur. On peut même pas rentrer à travers, on peut même pas passer à travers le mur. Jusqu'à combien de mètres peut-on aller avec le katana en volant? C'est parti, nous allons tester ça maintenant. Ok. Hop. Et dernier slash. Ok. 117 mètres. En vrai, ça va, c'est pas mal, c'est potable. Un peu comme le marteau. Non, le marteau pouvait quand même aller plus loin. Peut-on rouler avec un bouclier sur la voiture? Ce que nous allons voir maintenant. Lançons la voiture. Ah. Ah, ça me fume. Ah bah ça marche. On va tester avec la moto aussi. Ah, ça marche aussi. Mais mec, c'est trop cheaté, frère. Tu peux rouler tranquille avec, avec un bouclier. Genre, personne peut te tirer dessus. Bon bah, mythe validé. Est-ce que exploser un bidon d'essence sur un feu de camp peut l'allumer? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti. Je vais reculer un peu, par contre. Alors, ça prend feu, par contre. Non, ça a pas l'air. Non, ça prend pas feu. Ah, vas-y, je suis deg, gros. Deuxième essai. Ah,
Oh, ça l'a allumé. Oh, let's go, regarde, ça nous soigne. Oh, c'est incroyable, gros. Bah, let's go, hein, mid validé, hein. Je crois les splats, regarde si ça éteint pas le feu. Oh, ça éteint le feu, gros. Ouais. je savais pas. J'avais déjà fait, j'avais eu trop le seum. Bon voilà, c'était une petite vidéo, mais par contre elle m'a pris énormément de temps à faire, même si elle ne dure que 5 minutes. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager, franchement ça me ferait super plaisir. Aux 5000 abonnés, je ferai une vidéo FAQ pour ce bisou.